travaille, c'est une école qui vaut genre 5 000 $ par semestre. Je sais pas si vous m'entendez, j'espère que oui. Puis c'est dans une place comme ça, genre. Ça n'a pas rapport. Jérôme. Ce que je fais en arrivant, c'est regarder mes emails. Je réponds à mes emails rapidement. Il est 7h puis je commence. Puis je commence ma première classe à 8h20. Fait que j'ai 1h20. Fait que, comme mes élèves, ça l'avait vraiment mal été dans leur examen partiel, ce que j'ai fait, je leur ai donné comme instruction de m'écrire un texte de 150 mots sur un sujet libre, me l'envoyer pour mercredi, fait qu'ils ont encore 2 jours. Puis s'ils font bien, je vais leur donner 10 points extra parce que l'examen, là, c'était trop, là. Dans le fond, toute la classe a dû rester 10 minutes après l'examen pour terminer parce que c'était vraiment trop long, puis c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai trouvé difficile. Fait qu'on s'est entendu en prof de leur laisser écrire un texte. Regardez mon petit crayon, ça fait rire tout le monde. Estoy grabando. Es un día normal, estoy hablando como si fuera como si no me estuviera grabando. Okay. Aunque me da pena. Y mi clase, yo creo que no voy a grabar mi clase, obviamente, pero mi segunda sí me dijeron, mis, ¿cómo no grabas? Y yo. ¿Están para que salgan en su video? Sí, la segunda igual y sí. Cool. ¿Te vas chido con ellos? Sí. Ça, c'est mon amie française. Ça me permet de parler en français au travail parce que sinon je parle juste espagnol. Bon bye! Que lo vieron esto. Entonces, como dije, les envié un correo, 150 palabras, tema libre, usando todo lo que vimos en el examen. Ah, el tema es libre, no es de la misma forma. Lo que sea, sí. Y me lo tienen que enviar mañana a las 11:59 de la noche. ¿Y también impreso? Solo enviarlo. Y ni lo voy a revisar, o sea, lo voy a leer y pues eso es un 8, eso es un 9. Sí, era para el miércoles, ¿no? No. Bueno, martes hasta la noche. El miércoles y ya los lunes. ¿Eh? Es rápido, chicos, es 20 minutos. La causa. ¿Sí? Causa. Causa. Ahorita lo vemos.
Ok. Et ensuite, Diego, lo sacaste bien? Con. La, ah, sí. Con le texte qui est arrivé à l'heure de l'hymne. Si? Il y a uniquement deux personnes à l'intérieur. Excellent, merci. Aquí no hay posibilidad de otra respuesta, c'est comme. J'ai fini ma deuxième classe, fait qu'il m'en reste juste une. Il est présentement 11h20. Là, vu que j'ai le temps, j'ajoute des petits trucs dans mon agenda. Mes vidéos à faire. Je veux faire ça de beau. Qu'est-ce que je dois faire ce mois-ci? Les trucs pour ma maîtrise. Le gym, mon poids. Et mes objectifs de social media. OK. Bon. Je suis tellement malchanceuse parce que ça n'a pas de bon sens. Genre, je filmais une journée dans ma vie, puis j'étais full contente. Mais là, c'est... Là, j'étais en train de manger, puis j'étais là, cool, j'ai genre ma journée de fête. Puis, en mangeant, j'ai genre fait un faux mouvement. Puis ma mâchoire s'est comme déplacée. Ouais, je pense que c'est un peu enflé. Je suis pas mon meilleur. Puis... Fait que j'étais comme en panique. Fait que j'ai arrêté de filmer, mais là, tu sais, c'est trop pas une journée typique dans ma vie, ça. Jamais ma mâchoire. J'étais allée chez le dentiste, puis il m'a dit, oh, c'est rien, ta mâchoire s'est déplacée. Puis c'est ça. Fait que je vais essayer de pas trop parler. Puis c'est genre diète liquide pendant quelques temps, là, jusqu'à temps que ça soit correct encore. Ouais. Fait que d'après moi, je vais continuer ma journée typique demain. De toute façon, les jours se ressemblent. Ouais, c'est un peu dommage, mais... Ouais, j'aurais été encore au travail, mais là... c'est de la merde. Fait que je vais aller me coucher un petit peu, parce que j'ai vraiment mal, puis je vais regarder la TV. On se reparle plus tard. Allô tout le monde! On est dans la deuxième journée. J'avais prévu juste faire une journée, mais en tout cas, à cause de ce qui m'est arrivé hier, je vais continuer aujourd'hui à filmer comme un peu de ma journée. Fait que vous allez avoir deux journées dans ma vie, lundi et mardi. Je me suis fait ce matin un genre énorme smoothie parce que je peux pas manger solide. Hier, j'ai pas mangé solide, mais je pense que ce midi, ça va être correct. Genre, si je prends des petites bouchées, puis bon, je vais l'essayer. Salut Internet! Ah! Ok, je suis vraiment genre imprudente. Je suis en train de conduire, tout le monde va me chicaner. Je suis désolée. Mais je suis quand même. La fille, elle l'a pas pantoute. Comment qu'ils font les vlogueurs? Les vrais vlogs. En tout cas. Bon, ben oui, ma mâchoire va mieux, là, bordel. T'sais, je voulais faire genre une journée dans ma vie, mais ça a vraiment pas marché. Puis ça me tente pas à recommencer parce que j'ai filmé une classe. Là. Je vais pas dire, je refais une autre classe, en tout cas. Fait que je sors du travail, il fait chaud, mais il y a un peu de vent. J'ai pas filmé mon après-midi parce que c'est pas mal toute la même chose. J'ai mangé et je suis restée à faire de la correction. Maintenant, je m'en vais au gym parce que hier, je suis pas allée à cause de ma bouche. Ouais, c'est ça, là, je peux manger solide, des petites bouchées, mais c'est comme je peux pas trop mastiquer. Ouais, c'est vraiment une affaire de merde. Fait que je m'en vais au gym. Ça, c'est la vue de Monterrey tous les jours. Les montagnes, il y en a partout dans toute la ville, en fait. En tout cas, c'est vraiment beau, je trouve. Fait que je vous montre. Ok, présentement, 5h15. Ça m'a pris plus de temps que prévu parce qu'il y avait du trafic. D'habitude, j'arrive à genre 4h45. Mais bon, c'est la vie. Fait que je vais aller me changer. Puis on se revoit après le gym dans 1h15 à peu près. Ok, je veux juste vous montrer comment le Mexique c'est fucked up, puis aucune règle, puis il y a rien qui marche. Je suis désolée, amis mexicains qui me regardent. Ok, ça c'est genre, je sors tout le temps du gym ici là, fait que je passe tout le temps par le même endroit. On va attendre là, il y a du trafic à 7h, c'est normal. Dans le fond, la lumière rouge ici. Qu'on voit devant moi, là, ou mon doigt.
quand elle change au vert, elle a juste pas de couleur. Fait que les gens doivent assumer que c'est... Ah, tu vois, regarde, elle a disparu la lumière. Ça, c'est vert. Ah, ben c'est vert de l'autre côté aussi, mais on sait pas, là. Fait qu'il faut attendre que les gens passent. C'est de la merde. Salut! Je viens d'arriver à la maison. J'arrive du gym. J'ai bien fait ça. Il est 7h15. Mon bras, il arrête pas de bouger parce qu'il tremble. Ça a bien été. J'aimerais ça parler avec vous d'une affaire. Ceux qui me suivent pas sur Instagram, allez me suivre. Shameless promo. Non, dans le fond, je fais beaucoup. Je vais m'accoter, ok. Dans le fond, sur Instagram, je fais beaucoup de stories, puis tu sais, je raconte un peu ma vie. Pis... Et je disais la semaine passée, je revenais du gym, puis je disais que je me sentais genre grosse, nulle. Salut toi! Salut toi! Je me sentais comme grosse, nulle, laide. Poche, comme au Québec on dit poche, genre mauvaise, nounoun, nounoun aussi c'est un autre mot québécois, genre un peu niaise, niaiseuse, en tout cas, bref. Puis j'ai remarqué quelque chose dans le fond, c'est que, ben j'étais allée comme avec, j'étais allée avec mes vêtements, comme j'étais allée avec mon maquillage du matin. Dans le fond, moi, je me maquille le matin, puis l'après-midi, je me remaquille pas. Fait que j'allais au gym avec le maquillage comme tout effacé, tu sais, mon crayon noir qui commençait à couler. Les cheveux attachés en queue de cheval, que moi, personnellement, je me trouve pas belle avec les cheveux attachés. Avec des vêtements, bon, un petit legging, mais je mettais un gilet quand même serré dans le haut qui m'avantageait pas nécessairement, qu'on voyait mes bourrelets, tu sais, parce que j'en ai, là. Et... je me trouvais vraiment pas belle, c'est comparé surtout au gym que les filles vont vraiment, ben il y a beaucoup de filles super musclées, super en shape qui vont au gym évidemment. Fait puis cette semaine j'ai dit c'est quoi, genre je vais mettre comme moi je suis mieux dans ma peau. Comment je me trouve belle moi, ben je me trouve plus belle maquillée, je me trouve plus belle les cheveux détachés, je me suis mis un t-shirt que j'ai attaché comme ça dans le bas. Puis je me trouvais comme plus à mon goût à moi. Puis je veux vraiment pas dire que les filles pas maquillées c'est pas beau, au contraire, là, vraiment pas ça. Moi, personnellement, je me trouve plus belle maquillée. Puis toi, si tu te trouves beaucoup plus belle pas maquillée, va être vraiment tant mieux. Mais c'est ça, puis aujourd'hui, je me sentais pas nulle. Puis genre, je sais que les gens vont dire t'es conne si tu vas les cheveux détachés au gym, mais je suis pas beaucoup. Hey! Salut, tu viens me faire des colos. Salut! Gueule! Oh! Oh! Ok! Ok, tassez-vous! Ok. Puis, excusez. Puis, c'est quoi que je disais? Ouais, je viens de faire 45 minutes de cardio, puis genre, je suis vraiment pas tant que ça. Fait que, en tout cas, fait qu'aujourd'hui, j'étais comme à mon aise, je me trouvais comme plus belle, et ça le fait que j'étais plus sûre de moi au gym, je me trouvais plus en forme, je me trouvais plus... C'est ça, en me trouvant plus belle, moi, là, je fais vraiment pas ça pour les autres hommes, ni rien, juste moi... Comme je me trouvais plus à mon goût, ben ça l'a vraiment mieux été. Puis je suis revenue, puis j'étais pas déprimée là, comme la dernière fois parce que ça c'est sûr que ça joue, c'est ma confiance en moi puis tout que peut-être que je dois modifier. Mais moi j'ai trouvé mon truc à moi, comment avoir confiance en soi, c'est que je me sens bien dans ma peau. Puis je fais pour. En tout cas, fait que ça c'est mon petit truc. Fait que là je viens d'arriver, c'est ça à la maison, j'attends 16h là. Hey, c'est fou hein, comme je vous avais dit les horaires des Mexicains. Tu sais, au Québec, je sais pas en France, mais au Québec, le trafic, c'est à... Trafic... Il est à quelle heure, le trafic? Au Québec, il me semble que c'est... Ah oui, c'est 7h à 9h, genre, le trafic le matin. Puis le soir, c'est de 4h30 à 6h, gros max. Même à 6h, je pense qu'il n'y a plus tellement de trafic. Ici, le trafic commence à 6h, puis termine à 9h le soir. Fait que les gens terminent vraiment tard de travailler. C'est comme tellement une autre culture, en tout cas. Puis là, j'ai fait de la soupe. Soupe aux légumes. Hey, ça va vraiment mieux, ma mâchoire, en passant, là. Tout va bien. Ouais, j'ai fait de la soupe aux légumes dimanche. Non, dimanche, j'ai fait de la soupe au poulet nouilles. Puis j'avais hâte d'essayer, je l'ai pas essayé. Fait que je pense qu'on va souper ça avec des petits craquelins. Après, je vais prendre une douche. Regardez, ça, c'est mes cheveux après 2 jours. Je les trouve quand ils sont pas si pires, mais là, c'est demain matin, je vais me laver. Je les trouve gros, là. Je vais prendre une douche, je vais faire le montage de ce vlog-là, puis on verra. J'espère que vous avez aimé. C'est vraiment pas mon fort, là. Mon chum est arrivé, j'entends ce petit auto. Mes chiens sont tellement bien élevés. Camera. Hola. Start vlogging, okay. Okay. Okay.
Comment ça se passe? Oh maman! Amor, dame un beso. Huele ese cigarro. Sí, y... ¿Te gustaron los licuados? Me encantó. Demasiado. ¿Seguro que no tiene mucho azúcar? No tiene, o sea, el azúcar que tiene el mango. Pues es mucho. O sea, no, nosotros no le ponemos nada. ¿Pero por qué está tan thick? Es porque le quitan el agua. Ok. Imagínate que lo boil. Quiero saber cuántas calorías tiene. Sí, ha de existir, te lo busco. Ok. Parce que mon chum, il travaille dans une compagnie fruitière. No one cares. Non. Quand, il travaille dans une compagnie fruitière, fait qu'il faut souvent qu'il voyage à Veracruz. Ben, je sais pas si vous connaissez les États du Mexique, mais c'est des endroits sur le bord de la plage. Puis la semaine passée, il est allé à Mazatlán, qui est une belle plage du Mexique qui est pas vraiment connue. Puis il a ramené comme deux, je vais vous les montrer, deux grosses poches de mangue, du jus de mangue. Puis il a ramené ça dans l'avion, genre ça, là. Puis ça peut pas, là, ça peut pas se briser, là. C'est super solide. Il m'en a ramené une comme plus liquide, puis un autre qui est plus épaisse. Je l'ai mis dans mon frigo, là. C'est vraiment épais, là. En tout cas, c'est super bon, c'est naturel, il y a pas de sucre. J'ai comme l'impression que ça doit être plein de calories, ça. Parce qu'il dit qu'il y a aucun sucre ajouté parce que c'est vraiment naturel. Mais j'ai l'impression que... En tout cas. Fait que je me fais des smoothies avec ça. C'est super bon, puis je me dis, ah, oh, c'est full santé parce que c'est de la vraie mangue, mais je suis pas sûre. Parce que je sais que la mangue, en tant que telle, a beaucoup de calories. Mais c'est ça. Non, 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 ça va, maman? Ça va-tu bien, maman? Est-ce que t'es correct? Eh oui, les petits gars! Fait que ça va être tout pour ce soir. Vous avez vu mon petit César. Je vais prendre une douche, je vais manger. Je vais me coucher, je suis tellement fatiguée. ¿No vas a querer cenar? Sí. ¿Qué? Ahorita la sopa. ¿Pero qué? ¿La sopa? Sí, la caliento. Bon, fait que on se voit. Là, on est vendredi. Je vais publier ça vendredi. On se voit dimanche. Ah! J'ai vraiment hâte que vous voyez ma vidéo dimanche. Vous allez capoter parce que je fais une collab avec quelqu'un que je dirai pas. Wink, wink. Non, je l'ai déjà dit sur Instagram. Fait que si t'as pas, si tu m'as pas 5 sur Instagram, tu perds des nouvelles. Fait que à plus. Over and out.